Wow. Bonjour les frères et sœurs. Je suis Nian Soubonne. Et aujourd'hui, j'ai à vous parler. J'aimerais vraiment parler, vous parler de quelque chose de sûrement trop sérieux. Trop sérieux. On dit que le diable existe, Dieu existe. Et le diable attaque toutes les personnes qui sont dans le camp de Dieu. Mais comment? Comment est-ce que le diable attaque? Comment est-ce qu'il attaque? C'est ce que moi j'aimerais vous donner comme information ici. Soyez vraiment prêts et écoutez-moi bien. Premier élément, une chose est très simple pour le diable. Et la chose la plus simple pour lui, c'est de vous attaquer sans que vous vous en rendez compte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est là ça commence. Je vais vous dire comment il fait. Par rapport à ce que moi-même j'ai vu et que j'ai vu de voir même. Qui m'incite à faire cette vidéo parce qu'il y a quelque chose qui me pousse toujours à me lever pour venir faire une vidéo. Je me lève pas quoi, hein? Je me lève pas comme ça pour venir raconter l'histoire. Hein? Écoutez-moi très bien. Tous vous tous qui êtes sur la terre ici, qui êtes des humains, là, le diable vous déteste. Toutes les femmes de la terre, le diable vous déteste. Vous êtes des ennuis même pour lui. Je vous tiens. Vous mettre KO. Mais comme il ne peut pas le faire facilement, là, il va utiliser tous les moyens. Et le moyen le plus simple même qu'il utilise, comme je vous l'ai dit, c'est la distraction. Il veut vous attaquer ce que vous pensez qu'il est en train de vous attaquer. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par vous distraire d'abord. Est-ce que vous voyez? Voilà, écoutez-moi bien. Il commence par vous distraire. Pendant que vous êtes distrait, vous êtes dans le feu de l'action. C'est à ce moment qu'il profite de cette belle opportunité pour vous lancer des flèches. Est-ce que vous voyez? C'est comme on va dire, il commence d'abord par vous gagner votre confiance. Au moment où il sera sûr qu'il a gagné votre confiance, là, c'est là qu'il va profiter de cette belle opportunité pour vous attaquer. Ça, là, c'est ce qu'il a tenté de faire. Moi-même, cette semaine, il l'a fait ça et moi. Mais ça n'a pas marché, Dieu merci. J'ai vu. Dieu m'a montré, Dieu est venu me parler. Comme quoi, Dieu va toujours venir vous parler en songe ou par les choses que vous allez même voir sur le terrain. Des détails à ne pas laisser passer. Des détails, mais hey, ça en dit long sur le sujet. Dieu ne pourra jamais vous laisser dans l'ignorance. Dieu ne va jamais vous laisser sans savoir que vous êtes attaqué. Vous ne savez pas que vous êtes attaqué. La plupart des gens qui sont ici, qui sont même derrière la vidéo, ils ne savent pas qu'ils sont attaqués. Vous ne savez même pas que le diable vous attaque. Le diable vous attaque, mais vous ne savez pas. Vous êtes là en train de regarder ça, c'est moi. Regardez un peu. Ce matin, quand je suis levé, j'ai vu un truc. Quelle est la chose? Il y a une fille qui fait des films. Et bon, j'aimais bien regarder ces films. En plus, elle ressemble beaucoup à une personne que j'aimais dans le passé. Et je me disais que, oh, c'est une bonne fille. Vraiment, c'est récent, ils ont pratiquement le même comportement. Et je regardais les films, je regardais ces films. Et bon, je suis tombé sur une de ces vidéos sur Internet. Et je regardais toujours. Elle a déjà gagné mon cœur, elle a déjà gagné mon affection. Donc, je suis là, je dis, oh, c'est juste un film, c'est juste des vidéos, c'est juste de la blague. Quand elle est venue, et dans une vidéo, je ne sais pas, TikTok ou bien quoi. Écouter une chanson. Déjà, la robe qu'elle a portée, c'est une robe de séduction. Mais en ce moment-là, il me disait quoi? Oh non, écoutez, bon, on se connaît déjà, donc c'est normal. C'est-à-dire, là, elle avait déjà gagné mon cœur, mon affection. Donc, je ne pouvais même pas me réveiller sur le. C'est-à-dire, rien ne pouvait ouvrir mes yeux sur le fait que la manière même elle était habillée, là, c'était pour vraiment. Me lancer des flèches. D'abord pour me séduire, la séduction, c'est là que ça commence. Mais je suis allé trop loin, je suis allé un peu plus loin. À un moment donné, elle a commencé à danser, danser dans cette robe-là. Et elle a commencé à danser la danse qu'on appelle le twerk. Quand elle s'est mise à danser la danse qu'on appelle le twerk, à un moment donné, je me suis dit, comme une fille que j'ai dit que j'aime bien, j'ai dit que j'aime bien hier. Aujourd'hui, elle veut danser le truc devant moi comme ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est quelle bénédiction, ça.
En fait, ce n'est pas une bénédiction. Vous dites, c'est quel problème? Ça, c'est quel problème? Elle s'élève comme ça. Vous l'aimez, c'est comme peut-être une star de la musique ou bien du cinéma que vous aimez. Et un coup comme ça, vous l'avez le matin. Voici la femme là. Elle vient devant vous dans une vidéo que vous voyez, une vidéo récente qu'elle vient de poster. Elle a été dansée de façon séduisante. Et puis, vous voyez tout et 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 tout. Et dans la vidéo, vous la voyez danser des trucs. Et elle fait semblant comme si elle est, comme si elle ne savait pas ce qu'elle faisait, que vous avez vu, c'est une chose que vous ne devez pas voir. Et c'était comme ça. Je vous ai dit, le diable vous attaque sans que vous-même vous en rendez compte. Et le diable peut-être m'attaquer comme ça, comment, sans que je me rende compte. Et voici comment c'est passé. Premier élément, dès que le diable s'aperçoit que vous aimez une star, s'il veut vous attaquer, il va passer par elle. Vous allez voir qu'un bon matin, va se lever comme ça. Elle a fait une vidéo. Ou bien quelque chose pour que ça tombe dans vos yeux, pour que ça vienne jusqu'à vous et que vous puissiez voir. Juste, il veut que vous rentrez en contact avec la chose. En contact avec la chose. Le diable passe toujours par les gens que vous aimez. Donc, vous allez rentrer en contact avec la chose et ça va vous choquer. Regardez par exemple quelqu'un, un garçon qui a tous ses sens au complet, qui se lève le matin, même qui est bien arrêté là. Dès qu'il voit ça, forcément, ça va lui faire des effets. Surtout s'il aime la fille. Voilà. Et ça, là, c'est un choc pour son esprit. Dès qu'il voit ça, automatiquement, ça sème en lui quelque chose. Voilà. Ça sème en lui quelque chose. C'est une flèche qui a été lancée. La flèche, là, est entrée. Maintenant, quand ça s'est mis en lui quelque chose là, le gars, il doit maintenant, ça doit maintenant produire. Ce qu'il a en lui là, ça doit maintenant produire, non? C'est là maintenant, le gars, s'il se masturbe, il va aller se masturber. Ou bien regarder le film X pour pouvoir continuer ce qu'il vient de faire. Et il peut même regarder cette image de cette star de cinéma ou bien de la musique qu'il a vue, afin de pouvoir continuer à faire son péché, la masturbation, par exemple, ou bien le coucher avec les filles des autres, en ayant l'image de la femme, de la star là, dans sa tête. Est-ce que vous voyez un peu? Il a dit que le diable vous attaque sans que vous en rendez compte. Ça, c'est un exemple. Juste un exemple, un petit exemple. Peut-être qu'il y a fait une autre vidéo encore pour parler encore de choses. Si vous êtes chaud, si vous êtes juste chaud. Mais en tout cas, Dieu va permettre qu'on puisse faire quelque chose. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le diable vous a étudié. Ça veut dire que le diable, lui, il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire même. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de vous observer chaque jour. C'est que vous faites. Et d'observer autour de vous. Quelle est la personne avec qui vous avez une affinité? Quelle est la personne que vous aimez bien? Et il va prendre la personne comme ça. Et il va utiliser cette personne-là pour vous choquer. Pour vous lancer des flèches. Pour vous attaquer, pour que ça vous fasse mal. Là, vous allez dire quoi? Ça ne peut pas passer inaperçu. Non, pas possible. Donc, il va utiliser la personne contre vous. Le diable est vaincu aujourd'hui et il est vaincu demain. Je dis, le diable est vaincu aujourd'hui et il est vaincu demain. Voici ce qui m'est arrivé. Cela, j'ai dit qu'il faut que je parle au peuple de Dieu, au vrai chrétien. Il est vrai, en âme et conscience, en esprit, en vérité. Écoutez-moi bien. Le diable est en train de vous attaquer, sans même que vous-même vous vous en rendiez compte. Il commence par vous distraire d'abord, la distraction. Il commence par gagner votre cœur, oui, au point où vous allez appeler le diable votre ami préféré.
Maintenant, une fois que le diable sait qu'il est votre ami préféré, il va vous lancer une flèche qui va piquer votre âme. Parce que le cœur, c'est votre âme. Et une fois que vous êtes à terre, il viendra vous achever. Finish with you. Fini avec vous. Vous êtes à terre. Il va vous dire, mourrez. Mourir, mourir. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Est-ce que vous avez vu des dettes? Si oui, est-ce que vous entendez des dettes? Est-ce que vous avez dit que quelqu'un a tiré ses clés ici? Est-ce que quelqu'un a pris des calages pour aller tirer ses clés là-bas? Ça là, c'est une guerre qui ne fait pas de bruit, mais qui tue l'âme, qui tue l'esprit. Tu as regardé la fille là. Si tu l'as regardée, et en même temps, ça t'a rappelé tous tes vieux démons sexuels tirés du péché à cause d'elle. Le péché qui fatigue les gens, c'est la masturbation. Les gens vont aller après faire le truc et regretter. Ils vont dire, mais ah, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi est-ce que je suis tombé? Mon ami, réfléchis très bien sur ce qui t'a fait tomber. Réfléchis très bien sur ce qui t'a fait pécher. Et prépare ton combat. Tu dois prendre ta revanche sur le diable. Pour prendre ma revanche sur le diable, qu'est-ce que j'ai fait? Comme c'est par elle que j'ai failli tomber encore dans le péché, je me suis donc désabonné de sa chaîne, coupé tous les liens qui me lient à elle, et dorénavant, je vais veiller sur mes yeux. Veiller sur quoi? Messieurs, messieurs, et surtout, faire attention au désir de la chair. Au désir de la chair, ça dit, tu vois une femme, elle a tout ce que tu es cher, recherche une femme, tu vas aller vers elle. Si tu réfléchis comme ça, le diable va t'avoir. Et tu risques de ne même pas entrer au paradis. Tu dois apprendre à penser avec ton esprit. En fait, avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Dès que tu vois une personne, par ses œuvres, tu peux savoir si elle a le Saint-Esprit ou pas. Si une personne n'a pas le Saint-Esprit, c'est ton ennemi. Même Jésus-Christ a dit à sa maman que ce sont les gens qui adorent Dieu, le Dieu que moi je prie. Ce sont ces gens-là qui sont mes frères, qui sont mes parents, qui sont mes mamans, et tout ça. Les gens pensent qu'il les a gérés, non? Dans la sorcellerie, là, il n'y a pas de pitié. Du diable, s'il sait que c'est votre mère que vous appréciez bien, il va bien s'arranger à ce que votre mère soit une sorcière. S'il a découvert que votre mère est une sorcière, il va l'utiliser contre vous. S'il va bien chercher autour de vous tous les êtres humains. Je dis bien tous les êtres humains. Une fois que vous êtes un être humain, vous êtes dans la guerre en même temps. Et ici, là, les sorciers se connaissent. Entre eux, là-bas, ils se connaissent. Ils sont là pour chercher à savoir quel est votre point faible. Eux, leur job, c'est de chercher à savoir quel est votre point faible. Et puis, quelle est la personne que vous aimez bien, avec qui vous causez bien. Souvent, vous êtes en train de dire, oh, cette personne, c'est ma meilleure amie, mais c'est mon meilleur ami, c'est mon meilleur pote. Si le diable doit passer par quelqu'un, il va chercher à passer par ce meilleur pote-là. Même s'il doit descendre et puis venir proposer 1 milliard d'euros à la personne, il va le faire. Parce qu'il vous recherche. La raison qu'il recherche, c'est pas votre corps, hein. C'est pas votre corps, c'est pas vos oreilles. Vos oreilles, hein, vos nez comme moi, là. La personne qu'il recherche, c'est votre âme. Votre âme n'a pas de prix. Personne ne peut payer ça. Personne ne peut acheter ça. Mais pour le diable, c'est une chose qui est extraordinaire. Il veut votre âme. Donc, il est prêt à donner 1 milliard d'euros à une personne autour de vous pour que vous puissiez pécher. Oui, vous puissiez pécher. Premier élément, le diable cherche à vous éloigner de la face de Dieu.
Si vous êtes un gars qui priait beaucoup avant, bon, si vous êtes un gars, si vous êtes un gars qui prie, là nous sommes dans le présent, si vous êtes un gars qui prie beaucoup et que vous êtes un vrai chrétien, tout le monde au courant au quartier, sachez que votre dossier est sur la table du diable déjà. Et son travail là, sa nouvelle mission, sa mission du jour, ça va de faire en sorte que vous ne puissiez plus prier. Si donc vous envoyez une go, une jolie go, pour vous distraire, je vois que vous envoyez une go. Écoutez-moi bien. Je dis, si il doit vous envoyer une jolie femme pour vous distraire, là, il va vous envoyer une jolie femme. Si toi tu es un pasteur, tu es trop zélé, le diable te cherche en même temps. Si il doit t'envoyer une femme qui va même se faire passer pour une vraie chrétienne, il va te l'envoyer. Et c'est là, il faut vraiment m'écouter très attentivement. Là, il faut vraiment que vous m'écoutez. Oh, m'écoutez-moi bien. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Jésus, tu es béni, tu es gentil, qui sont de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Amen à l'église, qui sont des vrais. Ce ne sont pas tous ceux qui chassent les démons, même à l'église, et qui prient beaucoup, qui sont des vrais. Oh. Moi, je vous dis en même temps. Ces temps-ci, là, surtout ces temps-ci, le diable est en train de créer une nouvelle génération de chrétiens qui lui appartiennent. Ce sont des femmes. Ce sont des hommes, ce sont des filles, ce sont des garçons. Et ces générations de chrétiens, eux, ils s'infiltrent dans l'église. Ils s'infiltrent parmi vous. Ils prient plus que vous. Ils sont tout le temps là en train de se jouer les enfants de cœur. Ils sont tout le temps là en train de se jouer les saints. Comme vous le voyez, ils sont tout le temps tranquilles, calmes, tout en train de poser de bonnes actions. Je peux même offrir des cadeaux à tout le monde. Mais dans l'esprit, c'est le diable. Dans l'esprit, c'est le mal. À distance, ils vous observent. Ils vont regarder votre comportement. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Et vous lisez la parole de Dieu, bon, priez-vous bien, vous priez un peu avant. Tous ces détails, ils doivent avoir senti. Parce qu'ils vous cherchent votre âme. C'est votre âme qui les intéresse. Ce ne sont pas vos vêtements, ce n'est pas votre thune. Ils sont fous de votre argent. C'est votre âme. Et ils veulent vous faire perdre du temps. Et vous faire dévier de la bénédiction de Dieu qui arrive pour vous. Faites attention. Donc ces gens-là, s'ils savent que vous priez avant de lire la parole de Dieu, eux aussi, ils vont prier avant de lire la parole de Dieu. Pourquoi? Pour créer une sorte de connexion entre vous. Pour que vous pensiez qu'ils sont comme vous et qu'ils font comme vous et qu'ils suivent ce que vous faites. C'est ce qu'on appelle gagner votre confiance. Écoutez-moi bien. Si toi tu es un pasteur, tu n'es pas encore marié. Tu es un jeune pasteur, tu n'es pas encore marié. Ou bien tu es un jeune que tu n'es pas encore marié. Le diable a ton dossier sur sa table. Et il t'attend. Il va bien regarder ton comportement. Il va bien t'observer. Il te voit déjà. Je te dis à même pas, il te voit déjà. Il va t'envoyer une petite. Il va envoyer dans l'église à un moment donné une fille. Une fille qui aura tout ce que tu recherches une femme. Elle va se jouer, genre, les femmes vertueuses ou bien les filles vertueuses. Alors qu'elle n'est pas vertueuse du tout. Hein. Elle fait semblant. Et quand tu vas regarder là, tu vas voir l'esprit de toutes les vertus de la planète. Tu vas voir l'esprit des femmes vertueuses, mais elle est démon. Il y a le démon derrière. Ne lui donne pas ton cœur. Si tu regardes ses seins, ses fesses, et que tu aimes ça, tu es dans le problème. Parce que même quand Dieu avait te dit que c'est un démon, tu ne vas pas croire. Non, tu ne croiras pas forcément. Elle a venu se faire passer pour une vraie servante de Dieu qui prie comme toi. Et tu vas sentir qu'à un moment donné, là, ton esprit en toi est fâché. C'est-à-dire le Saint-Esprit en toi est fâché. Et le Saint-Esprit a commencé à te parler pour te dire, éloigne-toi de la fille, là, elle est un danger pour toi. Là, tu vas même discuter, même avec Dieu. Le chrétien, il va même discuter avec le Saint-Esprit. Il a dit au Saint-Esprit, écoute, de quoi tu me parles? La fille, elle prie. C'est une bonne fille. Ah, je suis célibataire, non? Laisse-moi aussi faire ma vie. Dieu vient te parler, il te dit, mon fils, écoute, je suis ton Dieu, je te parle. La fille là,
elle n'est pas une bonne personne pour toi. Tu as dit non, Dieu, vraiment, je crois ce que tu dis, mais cette fois-là, peut-être que tu t'es trompé. Mais un jour, tu vas la voir. Il faut juste lui dire, écoute, vraiment, je ne veux plus qu'on soit ensemble, je ne veux plus qu'on se voit. Il faut lui dire ça. Dès que tu vas lui dire ça, là, le démon qui est en elle va enlever la bille qu'elle suit elle en même temps. Il va dire, ah, ok, voilà, je vais te montrer mon vrai visage. Quand tu vas voir son vrai visage et comment elle va commencer à t'insulter d'une manière là, non? Tu vas commencer à me regarder en même temps. Elle va dire, attends, mais je suis bon, où es-tu? Tu as me cherché. Elle se bon, où es-tu? Ah, regarde la fille, hein? Elle se joue à la cire d'ici, non? Mais regarde ce qu'elle a de faire. Et là, la fille elle-même, elle fume. Elle fume de la cigarette, elle boit beaucoup d'alcool. Elle a 10 gars, 3 gars, 6 millions de gars. Mais à l'église, elle se joue la scène. Je suis la mère, je suis la sainte Marie. Alors que c'est le diable vous attaque sans que vous vous en rendez compte. Il faut que quelqu'un vous le dise. Et ça, c'est la première vidéo. Je pense que je vais vous parler de fraîche aussi. Abonnez-vous à la cloche, ça va être prêt. Hey! Maintenant, ceux qui ont peur des sorciers, je vais vous montrer ce que les démons font contre vous. Là, vous allez le comprendre. Soyez prêts. Chrétien, frère croyant, vrai être humain, qui a tous ses sens complets, qui a le Saint-Esprit, soyez vigilants. Le diable vous voit tous. Et il vous observe tous les jours pour voir comment il va faire pour vous descendre. Ne donnez pas accès au diable. Lisez la parole de Dieu, écoutez le Saint-Esprit qui parle en vous et regardez le comportement des uns et des autres. Ne laissez aucun détail s'échapper. Faites attention. Testez tous les esprits qui viennent vers vous. Testez tous les êtres humains qui viennent vers vous. Parce qu'il y a beaucoup de démons aujourd'hui parmi nous qui viennent pour retarder et distraire les enfants de Dieu. Faites attention.